compagnie Alpha est bloquée à 500 mètres au sud. On doit foncer. En avant. Hey, salut tout le monde, c'est Bouskamé. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour la suite de Code 4. Je pense que ça va spammer. Hein. Il y aura pratiquement que ça comme vidéo jusqu'à ce que l'on finisse. Alors, je record tous les épisodes les uns après les autres jusqu'à ce que je ne puisse plus à cause de du téléchargement qui n'est pas encore fini. Donc bon, si vous commentez tout ça, je ne pourrai pas lire les commentaires forcément et je ne pourrai pas y répondre dans les vidéos. Parce que là, eh bien, ouais, il est 2h et je compte le finir pour le matin. Oh putain, je vais me faire one shot par une bagnole, mon gars. Je compte le finir cette nuit en fait, simplement. C'est pas grave, on se sera fait one shot comme un gros porc. Cette mission elle est grave connue aussi. Hein. Bah, déjà, toutes les missions de 4x4 sont connues, tu sais. Quand j'ai horreur de ce viseur, en tout cas, c'est interdit de mettre ça. Hop. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Je parle pas énormément parce que bon, il n'y a pas grand chose, ça reste du Call of Duty. Hein. Y a pas énormément de choses à commenter à part là, je tue des gens, il n'y a pas de retournement trop de situation au niveau de l'histoire et tout, tu vois. Mais bon, ça reste toujours plaisant et puis c'est pour ceux qui n'ont peut-être pas le jeu. Que vous voyez à quoi ça ressemble tout simplement. Hein, ouais. Hop. Oh, oh. Allez Jackson. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Moi je suis toujours enrhumé au cas où, hein, je me suis bouché comme un gros porc avant de tourner cet épisode. Donc là mon nez va durer à peu près une heure et après on repartira pour un petit mouchoir au calme. Ah non mais franchement le rhume je crois que c'est l'une des pires maladies. Ça faisait super longtemps que j'étais pas tombé malade, genre quoi 3-4 ans sans déconner. Ouais tu sais ça peut t'arriver d'avoir peut-être un peu le nez bouché par-ci par-là et tout. Mais le rhume c'est tellement chiant, Alors c'est le truc qui t'empêche de dormir. Ah là ça va encore, j'ai pas trop de mal à dormir et tout. Mais tu sais quand t'as un rhume bien vénère, que t'as le nez bouché constamment, tu peux pas dormir mon gars, tu passes des nuits mais ignobles. Wow mais gros des fois ils te mettent des épales mon gars, oh putain il m'a retué quoi. Il y a des fois où il te cale des balles, mon gars, du turfu. Si l'ennemi est à portée, vous l'êtes aussi. Non, c'est vrai? Oh putain, faut tout recommencer. Bon, allez, go. Quand même beau le jeu, hein, vraiment. Oh my god, dude. J'ai des flashs mais bon mes grenades flash je les utilise pas. Hop. D'accord il avait la tête solide apparemment. Oui petite flash quand même. Hop. Allez Jackson bouge, tu vas te faire foutre. Gros, je me suis pris de ces grenades dans la gueule. Oh, je me suis auto-flash par contre, ça c'est pas cool. Ah, ils savent pas viser. Hein. Ils ne savent pas viser. Vite, fais-moi time 4. Voilà, vas-y, passe en vision nocturne, ma gueule. C'est tellement ignoble, hein, très clairement. Putain, le viseur, mon gars, est tellement cheaté. C'est méchant, c'est gentil. Parce qu'il faut savoir. Vas-y, je monte à l'étage. T'es nul, toi. Il faut sauver. Je dis même pas que c'est il faut sauver le soldat Ryan parce que. Le trophée, mon gars. On regarde les trophées. On a le time, les gens. Il faut sauver. Il faut sauver, pardon. Sauver le soldat Roy the Wheat. Dans les escaliers. Ah d'accord, ok. Il aurait pu mourir en fait, ça veut dire. Rare. Ah ouais, ça veut dire qu'en fait, s'il était arrivé avant nous, il aurait pu mourir. D'accord. Oh. Quoi? Ah ouais, d'accord. Ah, trop si les lasers qui disparaissent parce que... Oh, gros, mais putain. Eh, on les voit... On voit que dalle avec ses lunettes. De toute façon, déjà, dans Code 4 original, tu sais, c'était ignoble. Genre le truc qui servait trop à rien, les lunettes comme ça, tu sais. Mais alors... Là, c'est aussi infâme.
Ouais mon gars, moi je savais que t'allais arriver. Par contre, je vais prendre une petite M4 Tiffany. Hop. Bon, j'y flash mes potes, hein, c'est pas grave. Ah, ils sont même pas flashés. Ok. C'est quoi? C'est un petit M9? Ok. Ça m'intéresse pas. Eh, je vais la virer cette putain de vision nocturne, sans déconner. Je sais pas si ça sera sombre pour vous. Moi, ça passe, mais putain, c'est injouable avec cette vision nocturne. Là, c'est dégagé, ok. Tranquille alors. Wow. Vas-y, vas-y, prends la M249 là. Bah, je les bousille, gros, vas-y, je les bousille. Ah. Là, 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 là. C'est bon? Ok, ok. On fait quoi là? On redescend les escaliers. Hop, au calme. On voit une petite grenade. Ah, il est sérieux quoi? Et je commente mon truc, tu sais, il me dit ferme là, il continue de tirer. Je sais pas s'il me parlait à moi, hein, mais le jeu interagit avec toi, tu sais. Être sauvé, c'est pas mal le petit graffiti de la cale sur le mur. J'aime beaucoup. Peut-être faire le même dans ma chambre. Oh, mais gros, il m'a mis un turn du turfu avec lac de compensation. Bullshit, ce mec. Non, mais le mec, il a réussi à me toucher alors qu'il était de dos. Si c'est pas un lac de compensation de la campagne, ça. Je sais pas ce que c'est. Hein. Ah d'accord, ils sont au top en fait. Donc, troisième fois qu'on meurt, si je dis pas de bêtises, hein, sur une campagne de Call of Duty. Hein. Au calme. Au calme. Et attends. De toute façon, il y a un trophée où il faut tuer toutes les pastèques. Je sais pas. Moi, j'aime bien tout ce qui est trophée, donc bon. Vas-y, bouge là, toi. Javelin, il est où Javelin? Il est où Javelin? Oh putain, attends, gros là, 2 secondes. Ouais, bah gros, excuse-moi, hein, je prends des balles. Il est où ton putain de Javelin? Hop, voilà. Et il est où le char? Vas-y, au calme. Eh, ouais, j'étais déjà parti dans le turfu au top et tout. Hop, tranquille, vas-y, reload, y'a pas de problème. Hop, tranquille, objectif atteint. Dans cet arme, je l'ai pas encore utilisé. Je tire, mec. Allez, coupe-moi ce grillage. Ah, ils sont loin la détente, mon gars. Ah ouais, c'est stylé ça. Trop stylé. Je sais pas si ça existe, ça doit exister. Hein. Les trucs qui te. En spray, genre qui. De l'azote liquide ou je sais pas quoi là. Trop stylé. Ça sent la ruelle des ennuis. J'ai entendu un chat. Regardons les textures un petit peu. Le char est de l'autre côté de ce pont. Allez, rejoignons le groupe. Oh, on s'est comme eux, tu sais, en mode accroupi. Hey. Oh ce bordel mon gars. Oh c'est quoi cette arme? La masse recule par contre, elle est trop stylée. Hop.
Ah mais gros, mais putain, mais... En fait, je suis dans leur dos, tu sais. Au calme. Tu meurs toi un jour. Oh, il y a une petite grenade derrière. Il leur faut pas mal de balles des fois. Hein. Toi meurs un jour, please. J'ai une grenade. Cache-toi, cache-toi, cache-toi. Oh là là, il déterre lui mon gars. Toi bouge de là avec ton bazooka. Toi RPG. Je vais mourir, je vais mourir. Je pense que je suis clamsé là. Ah ouais, je suis mort. Ok, excellent. Et moi, ça, c'est un truc, c'est un défaut que j'ai. C'est que dans toutes les campagnes de code, je rush comme un porc. C'est, j'ai que ça à faire. je rush. Ah, je kiffe, voilà. Pas le temps de niaiser, mon gars. T'y vas là. Mais la voiture, je ne pouvais même pas prédire qu'elle allait exploser. le mec qui meurt à répétition. Allez, on va la jouer safe. On va tenter le beau jeu. Hop. On va laisser les ennemis rush. On va jouer pépère. On va jouer défensif. Ça sert à rien de rusher. Ça nous défend. Je vais changer cette arme de merde. Hachoum! Pardon. Ah bah ouais, hein, ça va avec le rhume, hein, les éternuements à répétition. Ah d'accord, et puis là en fait ils sont tous morts. Putain, il y a des grosses qui pétaient. Mais gros! Et il va être des turs du turfu mon gars. En fait il y en aura au-dessus. Excusez-moi encore pour mes reniflements, mais je peux vraiment pas. C'est infâme. Hop. Tac, tranquille. Oh, viens te calmer. Ok, point de contrôle atteint. Yeah, j'ai eu aucune baisse de framerate pour l'instant, vraiment. Bon, après c'est... C'est de la campagne et tout, mais... Bon, le jeu est fluide. Donc c'est cool parce que si la campagne est fluide, bah souvent le multi le sera et... Et bon, on a tous vu ce que ça donnait avec Ghost, hein, des grosses baisses de framerate, enfin, c'était assez ignoble. Faut que j'alloue. Allez les gars, oh, posez un petit C4 là-dessus, ok. Jackson, place le C4 sur le canon, vite! Bon travail, mettons-nous à bonne distance! Bah voilà. Et genre lui, il est normal, il a même pas giclé. Les développeurs n'ont même pas pensé que ce mec devait gicler. Non, il est normal. Ok, ok, ok. Remboursé. Ah, fils de... Hop. Ouah, gros. Voilà, grenade. RPG. Oh là là. Attendez deux secondes. On va se moucher. Et à purée. Même malade mon gars, je ferai des vidéos. Ah non mais c'est infâme. J'ai horreur d'avoir des rhumes comme ça là. Mais un jour vous mourrez. Déjà qu'ils sont intouchables en fait. Oh la banane, oh la banane.
course, y'a rien à faire en fait là. Ok, sympa. Putain, ça fait du bien de se boucher ce mec. Allez, j'espère que vous êtes pas malade, mais putain. C'est assez mieux. Oh, on sera mort à peu près 15 fois, t'es mec. Ah, mais ouais, on est mort trop plein de fois là, c'est abusé. Et oh, quand il y a des grosses zones de combat, moi j'ai envie de push comme un porc, au final je me fais défoncer. Ceux qui pardonnent pas, hein, sur ce jeu-là. Objectif atteint. Bon, pas mal, pas mal. D'accord, ok, pas. Écoutez, on n'a pas beaucoup de temps pour sortir ce char de là. On va prendre des positions défensives autour du marais. Ici, ici et ici. Faut donner aux techniciens le temps de faire avancer ce char. Compris? Ouais, vas-y, compris, compris. T'es mec. Gros gibier, petit trophée. On retrouve notre petit capitaine Price. Bon, on se retrouve tout simplement en fait dans l'hélico qu'on avait quitté tout à l'heure. Là, ça sent le crash assez violent. Mais bon, ça passe, t'es mec. Toujours en un seul morceau. Debout. D'accord. Allez, il faut avancer avant que les équipes de recherche n'arrivent. Quelle est la situation? Paulsen et les deux pilotes sont morts. Donc Colt 45. Vas-y, je prends un petit G36, mon pote. Bon, le point d'extraction n'est pas. Ah, le mec, il enlève la. Je sais plus comment ça s'appelle, la petite médaille là. Ça, ça devrait être vendu avec tous les jeux, tu sais. Tous les jeux de guerre, tu devrais avoir une petite médaille. Moi, j'en avais une comme ça avec. Battlefield 4, les petites plaques de Barry, c'est tellement stylé. Assez 130, hein. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas bossé avec l'un d'eux. Elle est connue la voix de Nikolai. Ou de Gaz, je sais pas si c'est Gaz qui parlait. Tout le monde sous le pont, allez. Oh là là, petite mission comme ça, là, semi-infiltration et tout, j'aime bien. Bon, en avant. Allez, moi j'y vais, mon gars. Stop, on a de la compagnie. Vas-y, meurs le fermier. T'es le mec. Hop, mon gars. Et voilà, homme du peuple, et oui. Moi je laisse pas le peuple mourir, mon gars. La zone est dégagée. Bon allez, on continue. Prends un petit MP5 du coup. La la la. Alors, on va y aller comme ça. Oh, le petit champ. Vas-y, on va se mettre dans les fougères. Je suis invisible. C'est le mec. Au KLM.
J'arrête pas de sauter comme un autiste, putain. C'est peut-être de ma faute en fait. Oh, c'est carrément de ma faute en fait. Par contre, il y a l'hélico de couvert, mon gars. Je suis en train de les descendre avant qu'ils sautent. Ah, c'est de ma faute en fait, j'ai fait le con. J'ai voulu voir si ça se pétait ce petit nain de jardin là. C'était le mec. Ah, il y a réellement plus ça. Enfin, je sais pas si c'est de ma faute, hein. Peut-être pas, ça se trouve c'est un élément du gameplay, mais je pense que c'est clairement de ma faute. Je voulais tirer sur un nain de jardin, et bah écoute. Ah non, ça mettait genre la porte est ouverte et tout. Ah putain, mais gros, tu restes bloqué là. Passe devant et trouve-nous une sortie. T'inquiète, moi je suis professionnel des sorties. Oh, je pense que c'était normal en fait. Sinon genre il m'aurait dit oh putain pourquoi t'as tiré ou je sais pas quoi tu vois. Oh mec il m'a mis quoi là? Tard de ville. Ah pas... je pense que ça ce trophée là c'est parce que j'ai dû tuer quelqu'un en étant flashé, je pense. On va regarder, on regarde les trophées, y'a pas de problème les gens. En combat de solo, éliminer un ennemi tout en étant aveuglé par une grenade flash. Voilà, ouais, c'est pas ce que je pensais. Allez, Dark Devil, mon gars. Pas me faire niquer deux fois, par contre. Ah putain, si je me suis fait niquer deux fois. Puis ma witch, attends, je sais pas, on aurait dit qu'il avait une arme à rafale, je sais pas si c'était un M16 ou quoi. Hop, petite grenade. Yep, pas de problème. Et mais les grenades, j'ai l'impression qu'elles font juste aucun dégât, tu sais. C'est bon, c'est clean. Trop calme. Où est-ce qu'ils sont? Ils doivent se regrouper. Ils vont essayer de nous tomber dessus plus loin. Ouais, je pense que c'est la voie de gaz. Je pense que c'est la voie de gaz qui est connue. Enfin, qui est connue dans la... Il a dû prêter sa voix à un autre personnage de Call of Duty, putain. Mais je sais pas lequel. Ah, c'est quand même plaisant, hein, réellement. C'est ultra propre. Hein. Genre, si vous hésitez à juste payer 20 euros en plus pour avoir code 4, n'hésitez pas quoi. C'est que 20 euros. Je pense que les gens, ouais, ça les fait chier de mettre 20 euros parce que le jeu coûte 70 euros de base. C'est très clairement compréhensible parce que Activision, ils nous baisent chaque année. Mais. Quand tu regardes tous les jeux remasterisés qui sortent, c'est aux alentours de 40 euros. Et là, en fait, tu dis que Code 4 remasterisé, tu le payes que 20 euros. Donc, c'est réellement très très largement abordable quoi pour un jeu tel que Code 4. Moi, je l'aurais payé, hein, même j'aurais payé 50 balles. S'il était seul, je l'aurais payé quoi. Mais bon. 20 euros, faites pas les radins les gars, réellement. Après, si réellement vous pouvez pas... Faut vous dire un truc, c'est que si vous pouvez pas vous le payer, vous pourrez pas le payer plus tard. À moins que genre à Noël, Activision... Putain, mais c'est chiant les bagnoles, j'étais en train d'expliquer mon truc et je meurs à cause de ça. À moins qu'Activision genre présente... Enfin, Code 4 en version dématérialisée sur le PS Store et sur le Xbox Live. À 20 euros, tu vois, mais... Une fois que vous avez payé votre IW, si vous voulez Code 4, vous êtes obligé de revendre IW. Eh mais what the fuck mon gars, elle est piégée cette bagnole ou quoi, tu sais. Enfin, si vous voulez Code 4 plus tard, vous êtes obligé de revendre votre jeu IW et de racheter un jeu neuf, tu sais, forcément. Eh mais je crois que je vais la péter maintenant cette bagnole parce qu'elle va me péter les couilles après, mon gars. Voilà. Non mais ça va mon gars, et deux fois je passe, puis le poil à ce moment-là qu'elle pète. C'était quoi comme ça? Okay. Ouais, non, je vais garder le même P5. Ah, mais c'est une blague. Je meurs deux fois d'affilée là. Regarde les gars, faut se faire plaisir dans la vie. Stop, sentinelle sur le pont, droit devant. Ah, d'accord, le mec il a voulu me laisser dessus. T'sais. Tranquille mon gars, je suis dans les herbes. En avant, mais baissez-vous. Oh, ok.
Ok. Genre, il m'a pas vu. Oh merde. What? C'est clairement pas à cause de moi alors, je pense que c'était pareil, hein. On pouvait pas faire autrement. Par contre, les grenades, vous allez vous calmer tout de suite. Je sais pas vos potes. Putain, mais. Parce qu'il y a des mecs sur le pont là, mais est-ce qu'ils y sont encore? Moi je trouve le bruit des armes plutôt propre en réellement. Hein. Après je sais que ça fait chier de toucher au son des armes bah, du jeu original tout ça, mais bon je trouve que ils sont pas mauvais. Après je sais pas si c'est exactement les mêmes que quand ils ont pu aller tester à... Je pense que c'était à Los Angeles hein, au Code Champ, Code XP. Je sais pas si c'était exactement les mêmes, j'ai pas réellement fait gaffe. Mais là, je trouve le saut des armes potable. Hein. Y'a rien trop. Enfin, y'a pas grand chose à dire là-dessus, franchement. On va essayer de se mettre là. Je suis tellement pressé de jouer en multi. Je vais le sécher comme un porc. Je vais le saigner ce jeu. Je vais le saigner, putain de bordel. Merde, c'était un pote. Ah, des petites balles dans les yeux, ça fait plaisir. Ça fait tout de suite, mon porc. Et il a cru qu'il pouvait se cacher et échapper à la colère de Blood Skyman. De contrôle attends. Si je meurs, je respawn là. Hop. Putain, les grenades, les gars. Je sais pas les relancer parce que je sais pas. Hop. Hop, petite chicot dans la gueule. Ah, qu'est-ce que je kifferais être un soldat américain invincible type Rambo là, tu sais. Tu te prends des balles, tu t'en bats les couilles, tu continues le combat. Ah, ce serait pas mal quand même. Hein. Voilà, je sais pas si vous avez vu. J'ai vu ça genre il y a 2 semaines. Bon, le film est sorti en 2015, je crois. Ouais, ça va faire 1 an qu'il est sorti, peut-être un peu plus. C'est John Wick avec l'acteur qui joue dans la série Matrix. Je me souviens plus de son nom. En plus, il a un nom un peu compliqué. Et ouais, John Wick, et putain, mais ce film, c'est... Franchement, je l'ai surkiffé, parce que... En fait, c'est l'histoire de genre d'un ancien, on va dire un peu un espèce de tueur à gages, qui s'occupait un peu des comment dire... Qui s'occupait des hommes dérangeants dans son domaine, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, qui a raccroché parce qu'il s'est trouvé une petite femme, tout ça. Je vous raconte un peu la CM6 du film. Et en fait il revient dans le métier parce que bah, il s'est passé un petit problème et tout ça. Et donc ça l'oblige à revenir dans le métier. Et en fait il est craint de tout le monde, genre tout le monde dit John Wick et tout. Enfin, le mec il est ultra badass, tu sais que il bute tout le monde quoi. Et c'est le cas en fait. Et juste de dire ça c'est tellement stylé en fait. Je trouve ça trop badass. Faut que je fasse un truc là très clairement, mais genre javelin. Ouf. Attends, je rentre là-dedans. Ah ouais, javelin. Salope. Putain, il balance des fusées. Ce sera pas facile. Soap, tire un autre Stinger. Mettons-le à l'épreuve. Vas-y, je vais tirer des Stingers. Mais j'ai l'impression que ça verrouille pas trop la cible. Hein.
Il est dedans là. Nice. Nice, nice, nice. C'est un beau carton, Soap. Donc ouais, si franchement vous cherchez un film où tu prends pas trop la tête à regarder et que c'est vraiment cool, John Wick, c'est pas dégueu franchement. C'est vraiment pas dégueu. Moi j'ai trouvé ça badass en fait. C'est tout. Parce que c'est le mot en fait de ce film, c'est badass. Et c'est vrai que quand tu jouais à un Call of Duty avant, c'est genre les campagnes. Genre celle de Ghost était vraiment bien aussi, je regarde des très bons souvenirs de celle de Ghost. J'avais bien l'univers un peu apocalyptique et tout ça, genre. Vraiment la guerre qui a tout détruit, tout ça. Ça j'avais vraiment grave kiffé. Ça reste une de mes campagnes préférées, je pense celle de Ghost aussi. C'est là que tu te dis t'as envie d'être un putain de soldat, un putain de marine son gars là. Et d'aller te défoncer. De l'ennemi. Oh là là, c'était terre un peu ça. C'est fantastique, bien joué. C'est fantastique, t'es qui dit ça en 2016 par contre. C'est fantastique. J'ai envie de l'appeler papa Capitaine Price quand même hein. Ah, petite baisse de framerate là, je tiens à le dire. Bon, de toute façon la vidéo est à 30 fps mais là ouais. Mais ça passe, c'est toujours moins pire que sur Ghost. Là c'est 130. Là c'est 130, c'est le streak. Badass in the world, you know. La mort vient du ciel. Cette phrase. Ah oui, alors je crois qu'il y a un trophée, tuer 5 ennemis d'un seul coup avec la C-130. Si je ne dis pas de bêtises. Hein. J'ai regardé à peu près tous les trophées, ça m'intéresse. Moi. Alors, appuyez sur carré pour... D'accord, j'ai pas eu le temps de lire. Attendez deux secondes, j'ai envie de voir le petit trophée là. Hop, alors, deux secondes, parce que moi j'aime bien les trophées, prenez les commandes de la C100, d'un bombardier, la C130. C'est déjà fait. Éliminer 5 ennemis d'un coup, à bord du bombardier, AC-130. Ouais, éliminer 5 ennemis d'un coup, c'est bien ce que j'ai dit. Et j'en ai pas buté 5 là. Ça c'est des potes, c'est quoi ça? C'est des potes ça non? C'est des potes je suis sûr. Et voilà mon gars, j'en étais sûr. Voilà. Et là j'ai tué largement 5 ennemis, bah voilà, quinte flush. Quinte flush. Trop stylé. Bon on va vite virer ça. En fait, le truc c'est que j'arrive pas trop à différencier. Oh là, y'a pas mal de monde là. Ouh, y'a pas mal de monde là. Hop. On va changer un petit peu. J'espère juste pas tomber sur des alliés, ça me foutrait le seum. Réellement. Vas-y, vas-y. Ok, gros. Bon, en fait, tous ceux qui se déplacent, c'est des méchants. Mais non, mais putain, là, c'est des alliés. Eh non, mais gros, mais. Eh, ils peuvent pas mettre des petits marqueurs, l'histoire de voir. Là, c'est ultra galère. Ok, je n'attaque pas. Franchement, comment tu fais là? Enfin, c'est quoi son stroboscope ou je sais pas quoi là. C'est genre, ils sont éliminés, donc c'est eux, je sais pas. Bon, la mission la plus chiante. Ok,
Ah bon, opérateur. Je le vois. Vous voyez le château d'eau? Ouais, ouais. Vous parlez du château d'eau près du croisement? Compris, c'est bien ça. À côté de ce château d'eau, il y a une route en lacet. Vous la voyez? Bien reçu. Suivez cette route jusqu'au village suivant. Vous devriez voir un autre château d'eau dans le village, un peu plus loin. On a un peu de mal à trouver le village. Il se trouve à quelle distance sur la route? Environ, attendez. C'est à deux bornes sur la route en lacet, en s'éloignant de la route principale. Sur la route en lacet. On vient vers le village. Soyez prêts à engager les cibles au sol. Les ennemis prennent position sur la route en lacet. Hostiles en embuscade le long de la route en lacet. Ils sont en partie cachés par des arbres. Oh! On a un tir de lance-roquette! Bien reçu. À l'équipage, éliminez tout ce qui bouge dans ce village. Là-bas, un véhicule blindé en vue. Il sort de cette grange. Les cibles dans le village sont hostiles. Autorisation de tirer. Allumez-les. Ok, donc là, ça c'est bon. À l'équipage, suivez ces traînées de fumée et éliminez-les à la source. Nettoyez le terrain pour nos gars. Là, il y a une espèce de char où il y a des terres un peu. Un bâtiment en U, c'est bien ça. C'est celui qui a une structure carrée sur le toit. Celui qui a un toit plat. En approche. Bien. Ça là. Des morceaux partout. Bon là ça va, c'est pas trop galère. On sait où sont les alliés. Et tout à l'heure c'était vraiment, ah j'ai galéré comme un porc. Où ça? Nettoyez le signal. Ok. Là il y a. Cible réinitialisée. Il y a quelqu'un près de cette voiture. Wildfire, on approche de la ZA de la décharge. On quitte les véhicules. Bien reçu, bravo 6. Ok. Allez, cette mission va vous faire mal aux yeux, hein. Réellement. Ne tirez pas sur les squads indiqués par le stroboscope. Affirmatif. Attention au stroboscope, ces gars sont avec nous. Ok. Dans la décharge. À l'équipage, on a le feu vert pour les éliminer. Hey, ces types vont vers la ville. La cible court. On a un fuyard. Ok, je vais tuer. Ça c'est des mecs. Je sais pas si c'est des ennemis ça, très clairement. Je sais pas si c'est des. Ok, j'élimine. Ça y est, il repart. Wow. Sympa. Ok, tranquille. Là y'en a là-bas. J'élimine. Il y a des morceaux partout. C'est équipé. Recalibrage de l'azimut de balayage. Ajustement du balayage vertical. Hop. Affirmatif. Attaque autorisée. Là. Il repart. Vous l'avez eu. Cette mission est extrêmement chiante. Hein. On va pas se le cacher. Portée du scan. Cible neutralisée. Bien joué. Whitefire, nous sommes sur la ZA, mais on est attaqué de tous les côtés. Demandons tir de soutien autour de la ZA. Danger. Des troupes ennemies approchent de la ZA par plusieurs. J'ai tiré sur personne. Ce sont nos hommes. À l'équipage, nos hélicoptères entrent dans la zone. Ne leur tirez pas dessus, bien sûr. Je sens que ce sont des ennemis, ça. Ouais. Ok. Faites gaffe, vous avez failli tuer nos gars. Ok, c'était un pote. Ah mec, comment tu veux faire la différence? Il brille peut-être un peu plus, j'en sais rien. C'est infâme. Ah, il y a des hélicos. Cessez le tir, vous flinguez nos gars. Putain. Regardez les stroboscopes, ce sont nos hommes. Wildfire, on se dirige vers les hélicoptères. Ah merde, c'est des potes. Ok. Bah, merci pour votre aide. Bah, je vous ai flingué une vingtaine de mecs. Hein. Aucun problème. Ah ouais, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres missions comme ça. Hein. C'est juste ignoble. Mais ignoble. Ok. Cette mission était ignoble, hein. On peut se cacher. La mort vient du ciel. Je l'avais pas déjà eu ce trophée? Ah non, c'était la phrase.
Sanglier étendante. Bon, on va s'arrêter là. Hop, on va être sur pause. On va s'arrêter ici. Je sais pas combien de temps de vidéo ça fera. Parce que je vais sûrement couper les moments où j'ai tué je ne sais combien d'ennemis. Parce que ça devait être tellement ignoble pour vous. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas le like et le commentaire qui fait toujours plaisir et qui aide à avancer. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Tchuss. We'll be right back.